ces épreuves. J'ai fait un autre cauchemar. J'étais sur le point de m'emparer du trône, mais Vaylin était là. Elle m'attendait. Elle est partie maintenant. C'est de son père dont on devrait s'inquiéter. Quoi qu'il prépare, je serai prête. Vous avez apporté l'holocron ? Je l'étudie depuis qu'on s'est enfui de Nathema. Le fonctionnement de la relique reste un mystère, mais son pouvoir est indéniable. Si elle peut vous protéger contre Valkorion... Vous pensez vraiment que cette babiole enrouillée peut me faire du mal ? Cette babiole est puissante dans la force. Vous l'avez enfermée pour une raison. Et si vous vous retournez contre moi, je l'utiliserai. Accrochez-vous à des antiquités s'il le faut. Mais ne perdez pas l'objectif de vue. Emparez-vous du trône éternel. On a fait trop de sacrifices pour se retourner l'un contre l'autre maintenant. J'ai senti sa présence. Comment pouvez-vous supporter ça? Même si je me bouchais les oreilles, Valkorion trouverait un moyen de délirer. On vous débarrassera bientôt de lui. Le commandant est attendu sur le pont. Votre équipage est prêt. C'est l'heure. L'heure est enfin venue de s'emparer du trône éternel. L'impératrice Vaylin est tombée. En son absence, la flotte éternelle sème le chaos dans l'espace connu et menace d'exterminer toute forme de vie dans la galaxie. Il n'y a qu'une façon de les arrêter. Nous devons nous emparer du trône. L'ennui, c'est que ces vaisseaux de guerre bloquent Zakel et pilonnent inlassablement la ville. La flotte ne reculera devant rien pour protéger le trône. Aucun vaisseau ne peut briser leur blocus, pas même pour aller se mettre à l'abri. Ce vaisseau est renforcé par des améliorations d'Yokat. Si un vaisseau peut passer, c'est le nôtre. Si j'envoie plus de puissance dans nos boucliers, on aura peut-être une chance de passer. Alors c'est décidé. Quand arriverons-nous sur Zakel ? Maintenant. Activé. Ça a été un honneur de vous connaître, commandant. Forcez ce blocus. Nous nous battrons à vos côtés, commandant. J'ai commencé cette guerre, et je vous aiderai à y mettre un terme. Valkorion connaît vos points faibles. Il essaiera sûrement de les exploiter, et de vous détruire. Si Père se montre, nous serons prêts. Pour Zakel ! Pour l'Alliance !
les chevaliers de Zakel. Quand j'étais à leur tête, les chevaliers visaient mieux. Dans le mille. Induzal, à vos ordres. Chargé à bloc et impatient de servir l'Alliance. Mais ce dernier tir m'a peut-être luxé. Allez voir un médecin et faites-vous soigner. Il ne faudrait pas que vous vous évanouissiez au milieu de ma fête de couronnement. Ne vous en faites pas. Donnez-moi une écharpe et un remontant et je serai droit comme un i. Concernant les rebelles, j'ai de bonnes nouvelles. Mes compatriotes ont emprunté de l'artillerie aux milices locales. Il ne va pas tarder à pleuvoir du feu, j'en suis sûr. Vous et vos amis aurez tous une place dans l'Alliance quand tout cela sera terminé. Vous allez me faire pleurer. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer votre ascension sur le trône. Ce sera ma plus grande fête à ce jour. J'ai pris la vie de mon frère ici, provoqué la colère de Vélin, abandonné le peuple de Zakel. Je ne suis pas fait pour régner. Je ne l'ai jamais été. Vous suiviez le mauvais exemple de Valcorion, mais vous êtes meilleur qu'il ne l'a jamais été. Et vous êtes encore plus forte. Revendiquez le trône, commandant. Vous l'avez mérité. L'autre s'est arrêté. Vous avez réussi, commandant. Bravo. Après des années de conflit, vous voilà impératrice de Zakel, commandant en chef de la flotte et héritière du trône éternel. Votre famille a fait suffisamment de mal. Je ne laisserai pas le trône tomber entre de mauvaises mains. Moi non plus. Non ! Stop, père ! Vous vous êtes prosterné une fois devant moi, dans cette même pièce. Et vous le referez bientôt. Je suis prête à... Prosternez-vous. À vos ordres, empereur. Vous avez été un pion exemplaire que j'ai transformé en un réceptacle de puissance suprême, digne de préserver mon esprit. Aujourd'hui, je fais de votre corps le mien. Et je redeviens l'empereur immortel.
vous détruire, Valkorion. Silence. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Que s'est-il passé? Vous êtes le commandant de l'Alliance, autrefois connu sous le nom de Bart Centaur, et membre du Conseil Jedi. Vous avez l'apparence de Valkorion, mais vous êtes toujours la même personne. Il doit y avoir un moyen de reprendre le contrôle et de sortir de là, où que je sois. Valkorion a brisé votre âme et vous a expédié au tréfonds de votre psyché. Il pense que vous êtes morte, mais vous avez survécu en prenant sa forme. Trouvez l'holocron. Sauvez votre vie. Prenez l'holocron. Sauvez votre vie. L'étrangère est en vie. Père s'est emparée de son esprit, mais elle résiste. Attention! Mais vous n'aurez pas mon âme. Ce n'est qu'un détail. Quand vous avez vaincu Véline, j'ai absorbé son essence. Je contrôle son âme maintenant. Laissez-moi partir ou je vous découpe en mille morceaux. Obéis-moi, mon enfant. Ne le laissez pas vous remettre en cage. Laissez-moi tranquille. Votre interférence s'arrête là. Élimine l'étrangère. Et si on pilotait un peu les choses? J'ai adoré ça. Ça suffit! Tue l'étrangère! J'ai une meilleure idée, père. Le gadget de l'étrangère m'a libéré.
Attention, Arcane. L'étrangère a besoin de toi. Père est trop fort. Tu as montré que tu es plus fort. Montre-lui l'homme que tu es devenu. Je ne vous laisserai pas l'affronter seul. Comme c'est touchant. Vélin, détruis le frère qui t'a trahi et l'étrangère qui t'a volé ta vie. Père marque un point, pour une fois. C'est votre sœur. Faites-lui entendre raison. Vélin, tu te rappelles quand on était enfant, quand on jouait avec Texan. Quand on se disputait à l'ombre de la flotte éternelle, quand on s'enfuyait et qu'on passait un mois dans les marais, toute cette liberté qui t'a été volée quand Père t'a enfermé à Anathema, il te remettra en cage, à moins que tu ne viennes avec nous. Personne ne me remettra en cage, plus jamais, jamais. Je vais adorer vous voir souffrir, père. Vous allez tourner mes enfants contre moi. Vous allez tous être consumés par l'éternité. Ça suffit. Vous avez tort, Valkorion. Prosternez-vous devant le dragon de Zakel. Non. Ça ne fonctionne que sur Vélin. Je contrôle ce qui se passe ici. Et je dis que ce qui vaut pour Vélin vaut pour vous. Bien joué. Prosternez-vous, père! Prosternez-vous devant le dragon de Zakel! C'est terminé. Allons-y. Seigneur. La dernière fois que vous tournez le dos à cette famille. Je suis l'empereur immortel. Vous ne pouvez pas me vaincre. Tôt ou tard, la mort aurait fini par vous rattraper. Aimez-vous. Monstre ! Rendez à votre famille la liberté qu'elle mérite. Un dieu n'a pas de famille. Avant que je vous honore de ma présence, vous n'étiez rien que des grains de poussière noyés dans le chaos du néant. Et vous, un Jedi solitaire, qui essayez de débarrasser la galaxie de mon influence. J'ai fait de vous un être digne du trône éternel. Sans moi, vous n'êtes rien. Encore faux, Valkorion. C'est vous qui aviez besoin de moi. Maintenant, vous êtes seul, et rien ne pourra vous sauver du destin que vous méritez. Pensez à moi, le jour où votre alliance sera réduite.
qu'est-ce que ça fait d'être rayé de la galaxie? Vous avez vaincu Valkorion, une bonne fois pour toutes. L'empereur immortel a peut-être disparu, mais il a laissé la galaxie en ruine. Il est temps de tout remettre en ordre. La galaxie a besoin d'un chef si elle veut renaître de ses cendres. J'ai ouvert un holocanal galactique. La galaxie est prête à faire la connaissance de sa nouvelle impératrice. Je ne suis pas une impératrice. Peuple de la galaxie, la guerre est terminée. La flotte éternelle s'est apaisée. Ce jour marque la fin de l'Empire éternel. Le peuple de Zakel est maintenant libre de se diriger tout seul. Je transformerai le trône en un modèle de paix. Dédié à aider Zakel à se remettre d'une guerre qui a bien failli tous nous détruire. Nous avons fait face à la puissance dévastatrice de la flotte éternelle. Vu des villes tomber, des amis mourir, nous ne souffrirons plus. La flotte éternelle sera à présent une armada bienveillante. Utilisés pour acheminer du matériel, transporter des réfugiés et réparer les dégâts provoqués par cette guerre. Nous devons voir plus loin, au-delà de nos maisons, vers les étoiles qui nous entourent. Ce sera notre nouvelle frontière, tandis que nous travaillerons ensemble pour reconstruire la galaxie. En nous faisant mutuellement confiance, nous entrerons dans une nouvelle ère de l'histoire galactique. L'ère de l'Alliance éternelle! Vous ratez la fête. Très drôle. J'ai cru que vous vous étiez évanoui sur la piste de danse. Je reprends la main. Laissez-moi deviner. Vous avez vu les rapports des services secrets. La République se prépare pour la guerre. Et l'Empire Sith s'engage sur la même voie. Ainsi s'envole notre alliance avec Cassina. L'Alliance éternelle n'a que quelques heures à son actif, mais je sens déjà des forces obscures se liguer contre nous. Des révoltes éclater à travers la galaxie. Nous les vaincrons. Demain, pour l'heure, faisons la fête.